Et Sonic, au fil de ses jeux, continua ainsi sa chute inexorable, enchaînant les jeux plus mauvais les uns que les autres. Transformation en loup-garou, multiplication d'histoires et de personnages inutiles, jeux totalement buggés. Au fond du trou, Sonic en était même réduit à se prostituer auprès de Mario pour qu'il le laisse apparaître dans ses jeux. Triste fin d'un héros solitaire qui jamais...